Bonsoir à toutes et à toutes, en ce vendredi 14 octobre, il est 19h30, comment allez-vous? Et c'est le week-end! C'est le week-end. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne petite semaine, j'espère que vous avez bien travaillé. Et puis blablabla. Donc, nouvelle petite vidéo, des courses! Course à Carrefour City et actionne! Action, réaction. Donc, du pain de seigle original Carrefour. C'est que je prends là, d'habitude. Il n'en restait plus que deux tranches. Donc, du coup, j'ai repris un paquet. Ils ont remis mon lait en plastique, là. Lait des campagnes demi-écrémé. C'est celui-là. Ils l'ont remis. Donc, cool. Cool. J'espère que le fil est assez grand, sinon je vais me faire avoir. Heureusement que j'ai une rallonge. De l'eau de l'épargne, comme d'habitude. Donc pour ceux qui connaissent pas, ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, et puis du fait, merci aussi pour les commentaires des chaînes à qui je me suis abonné. Donc merci à Madame Ch'ti. Je sais plus comment tu t'appelles. Enfin, je t'appelle Ch'ti parce que c'est le nom de ta chaîne. J'ai vu que tu avais mis 2-3 déjà. Tu m'as mis déjà 2-3 commentaires. Donc c'est super gentil à toi. C'est super sympa. Et voilà, c'est pour dire comme quoi c'est pratiquement les mêmes boissons qu'on prend tout le temps pour Cécile et moi. Donc voilà. C'est pas si un jour tu me poses la question pourquoi tu prends toujours du coca machin, parce que c'est la base, c'est notre base à nous, c'est toujours du coca, c'est toujours de l'épargne et du cola pour moi. Voilà, ça c'est le truc vraiment primordial. Tu peux tomber la tablette, je te tue, Maout. C'est le truc primordial pour nous de tous les jours. Donc du Coca-Cola sans caféine, sans sucre. Enfin, chercher le mot. Wali walou. Du cola, ça c'est pour moi. Ça, il me reste encore un verre pour ce soir. Et ça c'est pour demain. Comme ça j'aurai déjà une bouteille d'avance pour demain. Ça va, Maout, t'es bien là devant la caméra? Tu gênes pas trop là? Punir Rawan au poulet, parce que je commence à en avoir un petit peu marre de la dinde. Et donc, du coup, Cécile m'a dit bah, prends-moi un autre paquet, n'importe quoi, mais sauf que ça soit de la dinde. Donc, je l'ai pris au poulet. Voilà. Par contre, les grands, laisse tomber, c'était à 3 euros des poussières. Ah mon bébé, c'est vrai. Tu touches pas au fil, hein? C'est toi, je te vois venir, toi. Enlève ta papatte, toi. Voilà. Tu mords pas dedans, parce que si tu mords dans mon fils, j'ai plus de micro. Du papier cucu de la marque Carrefour, bien sûr, confort. De toile. Du doux. Du doux, puis il n'y a pas de saveur, senteur. C'est ici, elle n'aime pas. Moi, ça me dérange pas, j'aime bien. Comme ça, moi, ça fait. Comme ça fait sentir le cucu tout propre. Donc, il y a 12 rouleaux. C'est celui-là. Mais ça va ressentir de certaines des irritations. Avec le petit truc. Donc, le papier cucu. Et vous avez le gros patapouf, là. Quand il n'y en a pas un, il y a l'autre qui suit. Vas-y, fous-moi un coup de queue, je te dirai rien. Papier cul, 3,16 €. L'épargne, 54 centimes. Ça, c'est quoi, ça?
Bébé. Elle écrit tellement petit leur bordel là. Le pain de seigle, 2,10 €. Non, 2,30 €. Ah, les punini Arawane, 3,14 €. Le lait, 95 centimes. Non, 45 centimes. Le cola zéro, 1,56 €. Ah, et mon cola, 89 centimes. Donc j'ai eu pour 12,52 € et des poussières. Voilà pour les concours de site Carrefour City. Ah, quand c'est écrit tout petit, en plus, ça va moins avec la fatigue là, de ce soir. J'ai les yeux qui partent en vrille. Ensuite, les courses de Action. Alors, de Action, je devais de base aller chercher juste pour l'huile d'olive. Parce que c'est que là que c'est moins cher. Il a 2,69 € ou 59. Et comme par hasard, bah, il n'y en avait pas. Et comme j'avais pas envie de me retaper le deuxième Action, sachant que le deuxième, bah, lui, il ferme plus tôt que celui de Thiers Village. Donc du coup, bah, j'étais à Thiers Village, à mon bébé, et j'ai pas été sur l'autre. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Où est mon bébé d'amour? Donc, oui, comme j'ai dit, comme je vous ai dit, je devais aller chercher que pour l'huile. Pour l'huile. Et du coup, bah, je me suis ressorti avec des trucs bah, qui vont servir, bien sûr. Eh, vous êtes pas un peu chiants les chats ce soir. Allez. Donc j'ai pris une boîte comme ça. C'est pour mes piles. Non, mon bébé, j'ai un. C'est pour mes piles, parce qu'on m'avait dit, parce que moi à chaque fois, mes piles, à chaque fois, ils sont nazes. Les piles toutes neuves, ils fonctionnent même plus. Et on m'a dit plus d'une fois que fallait pas les mettre dans une boîte en ferraille. Faut les soit les laisser dans le truc ou dans une autre boîte, mais pas dans une boîte en ferraille. Donc je vais les tester dans une boîte en plastique. Donc on verra, on va voir. Du coup, bah, je vais être obligé de racheter des piles petit à petit. Déjà, il faut que je fasse le tri parce que j'ai encore des piles qui sont mortes. Alors que ça fait pas très longtemps que je les ai achetées. Et du coup, bah, on va essayer là-dedans. On verra bien. Donc c'est un truc de 2 litres 6. De la marque Module Box. Bon, t'en as trois sortes. T'en as encore plus grand, plus moyen et encore plus petit. Mais j'ai pris celui-là. On verra. Et puis bien sûr, il y a, c'est avec le petit couvercle, voilà. Et puis ça, je le nettoie parce que j'ai juste à mettre des piles dedans, donc c'est pas du miam miam. Voilà pour ça. Je me suis pris ma petite sauce à l'oignon. Alors, je pense que tout le monde la connaît, il y a beaucoup de personnes qui l'apprennent. Enfin, qui l'apprennent. Qui l'apprennent. Je sais pas. Oui, parce qu'après, on va dire, ah, va apprendre le français. Nanana, tu connais rien. Mon Seigneur. Le papier qui sent bon. Enfin, les sacs qui sont bons, 30 litres, c'est la marque du 1000. Ça, les sacs roses, hein, tout pareil, hein, tout le monde les prend. Et moi, je le prends que pour la litière. Ouais, t'es obligé de redire pour les nouveaux. Moi, je prends celui-là que pour quand je fais la litière. Parce que moi, quand on met la litière dedans, oui, d'accord. Quand je mets la litière dedans, au moins, ça ne sent pas. Une fois que c'est bien fermé, ça sent pas, ça sent que la violette. Non, la lavande. J'ai pris ça. Il était à 4 € le bordel. Les plus grands étaient à 8. Non, un peu plus, je crois.
10 € ou 12 €, enfin un truc comme ça, je sais plus trop, ou 14 €. Donc j'ai pris ça. C'est un truc de décoratif picturne belge. Non, ledge. 56,6 multiplié par 6,8 cm. Donc il y a un petit rebord. Donc, pour l'instant, je vais le laisser envelopper. Je vais laisser envelopper, je vais pas l'ouvrir pour éviter qu'il y ait de la poussière de 40 dedans. Donc il y a un petit rebord. Je sais pas si vous voyez, voilà, il y a un tout petit rebord. Comme ça, on peut poser les. Déjà, ça s'accroche avec les trucs derrière. Voilà. Et on peut machiner les trucs. Comme j'ai pas mal de petites assiettes qu'on m'a offert en genre de. Je sais pas, la matière, c'est quoi. Qu'on m'a offert en plus, même avec Yolène et tout, qui m'a offert. Donc je vais pouvoir les disposer. Je sais pas si je vais pouvoir tout mettre, mais bon, j'en ai pas une tonne non plus. Je vais en avoir 3-4. En espérant que les 4, ils vont, comme c'est quand même assez opposant, j'espère que les 4 vont aller dessus. Et ça sera accroché dans le couloir. Comme je vais faire couloir normand et ou breton, que je n'ai toujours pas fait d'ailleurs. Donc ça, petit à petit, j'achète des petits trucs comme ça à droite à gauche et voilà, quand je serai décidé, quand j'aurai le temps de le faire, bah, je le ferai. Mais pour l'instant, non. Nia, nia. Et une poêle toute neuve. Eh oui, une poêle toute neuve. Comme ça va remplacer un petit peu les autres, les roses, enfin les violines. Il y en a une qui commence à coller, la grande. Elle commence à coller. Donc je vais encore m'en servir. Je vais encore m'en servir, mais en fait, si je vois que vraiment elle continue à coller, on les dégage. Enfin, les autres, ils collent pas. Les deux autres, ils collent pas. Enfin, pour l'instant, mais il n'y a que la plus grande. Donc je pense que ça va être à peu près de cette grandeur-là, je pense. Hein. C'est une 28 cm, je pense que ça va être la même le truc. Donc j'ai pris ça parce que, c'est déjà, ça a l'air d'être une très bonne matière. Et souvent, je sais pas si vous êtes abonné à Secret Nana, comme on fait beaucoup de trucs de action. Et souvent. Et souvent, elle en parle dans ses vidéos. Que même elle-même, elle les a achetées, mais dans la machine à laver, là, dans la vaisselle. Et je sais même pas si on peut le mettre carrément au four. Non, je pense pas, parce que si je mets au four, ça risque de cramer. C'est un genre de caoutchouc. Ouais, un caoutchouc. Ouais. Je sais, il y a des poêle que tu peux à la rigueur mettre dans le four. Bon, après, t'as intérêt à le prendre avec un chiffon, sinon après tu te crames les mains. Et donc j'ai pris parce qu'ils étaient ouais, faut que je le lave, il y a plein de poussière, rien, plein de poussière. J'étais en promo, il y a même la poêle wok, elle était à 9,90 €. Et ouais, je crois que je me la prendrai la prochaine fois, la poêle wok, parce que moi j'aime bien. J'ai déjà travaillé avec ce genre d'ustensiles. Quand je travaillais chez Elior. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, je faisais la vaisselle et j'épluchais des légumes, excusez-moi. C'est vrai, je ne suis pas cuisinier, je suis désolé, je me suis trompé, c'est quelqu'un d'autre. Et du coup, bah, comme Kotsukanana a les a. Donc je vais en profiter, voilà, je vais la laver, puis je vais la tester ce soir. Voilà. Comme ça, je vais faire comme un vrai cuistot. Ch'tac comme ça, ch'tac. Voilà, comme ça, je vais faire comme si j'étais un vrai cuisinier. Et ben voilà, voilou, hein. Wally Walou! Vous connaissez Wally Walou? Ça va, ça vous saoule pas si je vous dis Wally Walou. On sait jamais, hein? On sait jamais, hein?
Donc voilà pour Action. Voilà, j'ai juste voulu acheter que ça, à part qu'il me manque l'huile, bien sûr. Ça me saoule un petit peu, mais bon. Le sac, les sacs du Nil, 1,09€. Ma boisson énergisante que je ne vous ai pas montré, mais parce que j'avais trop soif, hein, 44 centimes. La poêle était en promotion, elle a 9,45€. L'étagère, 4,49€. La boîte à rangement, 1,49€. Et la sauce machin, 1,89€. Ah, bah ça, là, elle a augmenté aussi, je crois. Il me semble qu'elle était à 1,78€, il me semble. Ou 68. Ouais, elle a augmenté. Elle est à 89 centimes maintenant. Enfin, 1,89 centimes. Et j'en ai eu pour 20€, pile poil. Et quelques centimes qui courent à droite à gauche. Voilà. Voilà pour Action. À ma route, c'est vrai. Donc voilà. 16 minutes, ouais, c'est très très bien. Bah sinon, je me suis ramené deux petits avocats. Et bah après, bah, je vais faire ma petite recette. Faire ma petite recette. J'ai fait ma vaisselle. Ma vaisselle, elle est faite. C'est pas de la vaisselle de la veille. Elle est faite. Mon lavabo, il est propre aussi. Bah, je vais ranger mon sac. Je vais me faire un café et puis on va attaquer la recette. Donc je vais recommencer parce que j'avais fait une vidéo sur les youtubeurs, youtubeuses. Donc je vais la refaire. Je vais la refaire parce que déjà il n'y a pas la fin. Parce qu'à chaque fois, voilà, je me fais avoir. Il n'y a pas la fin et il manquait une ou deux personnes que j'ai pas pu dire malheureusement. Et il y a eu quelques petits changements en cours de route, parce qu'on s'est aperçu de certaines choses encore une fois. Donc il y a encore des petits changements au niveau des anciennes youtubeuses. Donc voilà, walou. Donc si vous avez aimé cette petite vidéo, bah, n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner. Voilà. Et je vous dis, bah je vous dis Kenavo, je vous dis au revoir, je vous dis Abendanzen, et je vous dis Ajda, et je vous dis, ah oh, comment il a dit, Asida, Asina, non Asina, je vous dis Asina. Et puis, bah, pour une prochaine petite vidéo de. Ça me gratte. Une ancienne petite, enfin une ancienne, une prochaine petite vidéo. Désolé, un coup de barre. Donc je vous ferai peut-être un petit vlog demain, un petit vlog ou un blabla. Enfin, je crois c'est pareil, un vlog et un blabla, je crois c'est pareil, hein. Ah non, je crois que le blabla c'est que pour une journée. Pour la journée, et un vlog c'est pour plusieurs jours. Si je me suis pas trompé, si c'est ça. Donc bah, je verrai soit un vlog ou un blabla et tout quoi. Bah, on verra. Alors, ça sera la surprise pour des nouvelles petites vidéos. Des surprises, surprises. Bah voilà. Ah, il y a Bella dehors. Alors, elle est pas toute mouillée. Parce que, je sais pas si chez vous s'il pleut, mais nous ici il pleut depuis ce matin. Et apparemment, c'est prévu jusqu'à mardi. Mardi qu'il va pleuvoir. Mais avec des températures pas trop, pas froid du tout, même des températures assez agréables. Mais bon, les saucisses, c'est qu'il va pleuvoir, donc voilà, c'est un petit peu embêtant. Donc bah, voilà, sur ce, je vous dis au revoir, et on se dit à très très bientôt.
Au revoir, bye bye, salut, au revoir, ciao.